Seigneur, ouvre mes lèvres. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Mon Dieu est prêt, mon cœur est prêt, mon Dieu, je veux chanter que s'éveille l'aurore. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. En toi je cherche refuge. Me refuge à l'ombre de tes ailes. Aussi longtemps que dure le malheur, je crie vers Dieu le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Féroce. Ils sont au rang d'une arbre tranchante.
les cieux. Que ta gloire domine la terre. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Mon cœur est prêt, mon Dieu, je veux chanter que s'éveille l'aurore. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncé dans les îles lointaines, celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a rejeté des mains d'un plus fort. Je serai leur Dieu, ils seront. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers la bonté du Seigneur. Le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche. La génisse et les brebis du troupeau. Ils auront l'âme comme un jardin tout irrigué. Ils verront la fin de leur détresse. Je serai. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie. Les réjouis, les console après la peine. Je nourris mes prêtres de festin. Mon peuple sera saisi de ma bonté. Oracle du Seigneur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple.
dans ton amour, au milieu de ton peuple. Il est grand le Seigneur, hautement loué, dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en cette année, vraie citadelle. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta louange comme ton nom couvre l'étendue de la terre. De Sion, comptez sur ses tours. Que vos cœurs s'emprennent de ses murs, contemplez ses palais. Et vous direz aux sages qui viendront, ce Dieu est notre Dieu. Pour toujours et à jamais, notre guide pour les siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Prions le Seigneur. Dieu qui conduit et protège ton Église, donne à tes serviteurs réunis en assemblée l'Esprit qui fait la lumière, qui montre la vérité et qui construit la paix. Qu'ils s'attachent à discerner tes volontés et qu'ils emploient toutes leurs forces à les accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, j'emploie ici un langage humain, adapté à votre faiblesse. Auparavant, vous aviez mis tout votre corps au service de l'impureté et du désordre, qui ne mène qu'au désordre. De la même manière, mettez-le à présent au service de la justice qui mène à la sainteté. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice. Qu'avez-vous récolté alors à commettre des actes que vous regrettez maintenant? En effet, ces actes mènent à la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché, et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous y récoltez la sainteté, et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort.
mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. En Dieu notre espérance, en Dieu notre joie, en Dieu notre espérance, en Dieu notre joie. Heureux est l'homme qui n'entre pas les vues des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Le sort des méchants, ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Alléluia, 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 alléluia. Elle est vivante, la parole de Dieu, plus tranchante qu'une épée. Elle pénètre les pensées de notre cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les paroles du Seigneur peuvent nous paraître quelque peu rudes ce matin, mais elles nous plongent en plein cœur du mystère du salut. Certes, nous aurons toujours un peu de mal à comprendre toutes les implications du désir de Jésus de recevoir ce fameux baptême dont il parle, mais nous soupçonnons, nous découvrons assez rapidement qu'il parlait de sa propre mort à venir, celle qui allait le plonger au plus profond de notre nature humaine, avec tout ce que cela comporte d'incompréhension, d'abandon, de trahison, jusqu'à nos contradictions même et nos divisions. Tout cela, il les a pris sur lui pour les conduire dans le cœur de Dieu. En fait, ce baptême dont il parle aujourd'hui résume tout son ministère, en commençant par sa naissance, où littéralement il plonge dans la nature humaine, en passant par le baptême de Jean alors qu'il prend sa place au rang des pécheurs, par son ministère public, il entre de plein pied dans le cœur des réalités humaines, et sa mort le plonge encore plus profond, au plus profond du profond. Et non pas pour rester là, pour rentrer victorieux, sortir plus vivant que jamais dans la vie nouvelle au matin de Pâques. Au moment de notre propre baptême, avec lui, nous avons été plongés dans ce mystère de mort et de résurrection. Avec lui, nous avons été libérés du péché et nous sommes devenus vivants pour Dieu. Et l'apôtre Paul nous encourage en disant, nous y récoltons la sainteté et cela aboutit à la vie éternelle. Il y a de quoi nous soutenir, nous encourager, quand nous envahissent les doutes, les incertitudes, quand nous sommes appelés à prendre de lourdes décisions, quand nous sommes confrontés à des questions sans réponse. Nous ne céderons donc pas au pessimisme ambiant parce que nous avons été baptisés par le Christ dans sa mort et sa résurrection. Amen.
Rendons grâce au Christ qui nous donne aujourd'hui la lumière et supplions-le, sois pour nous lumière et vérité. Sois pour nous lumière et vérité. Chaque jour, tu renouvelles tes merveilles. Ouvre nos yeux, donne-nous de les voir. Sois pour nous lumière et vérité. Toi, le Fils de l'homme, fais-nous aimer notre condition d'homme. Sois pour nous lumière et vérité. Tu as passé en faisant le bien. Que chacun de nos actes serve nos frères. Sois pour nous lumière et vérité. Tu es le miséricordieux. Accorde-nous patience et bonté tout au long de ce jour. Sois pour nous lumière et vérité. Seigneur, tu entends nos paroles de louange et nos supplications, mais tu comprends aussi les désirs secrets de notre cœur. Accueille tout cela dans ta bonté, par Jésus, notre frère près de toi, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes aussi ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Maintenant, prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu très bon, regarde l'offrande que tes serviteurs te présentent et leur donne ta lumière. Qu'ils connaissent ta volonté et la mettent en œuvre avec courage par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit-Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté
et rassembler du milieu de l'humanité un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Paul-André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes ces personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, regarde plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix soit avec toi. Agneau de l'Alliance fidèle, Agneau de Dieu, victorieux du péché, prends ce monde en pitié, donne-lui la paix. Nouvelle, agneau de Dieu, victorieux du mauvais, prends ce monde en pitié, donne-lui la paix. Dans ces signes du pain et du vin partagés, la présence et la vie de celui qui nous communique sa propre vie. C'est l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Béni soit le Seigneur, soleil levant, lumière d'en haut qui vient nous visiter. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous a rachetés d'ennemis, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de ton alliance sainte. Serment juré envers servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, nous sommes appelés prophète du Très-Haut, tu marcheras devant à la face du Seigneur. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à l'amour de notre Dieu, quand nous visiteras cela en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres à l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Toi, mon Père et mon Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur, soleil levant, lumière d'en haut qui vient nous visiter. Que cette communion, Dieu de miséricorde, nous soutienne dans ta loi d'amour et nous fasse témoigner partout de la vérité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.